Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va ouvrir un bureau élévateur, un produit que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est très pratique dans la vie quotidienne, quand on utilise souvent un ordinateur pour travailler. Et aujourd'hui c'est le modèle ED5 de chez FlexiSpot, une marque spécialisée dans les bureaux élévateurs, qui a pour objectif d'améliorer la vie quotidienne des gens qui travaillent dans les bureaux. Enfin, c'est comme ça que je vois la marque. C'est le troisième produit qui m'envoie. Ce modèle possède un double moteur et pourra supporter jusqu'à 100 kg de capacité de charge. Alors bon, pour les colis que je reçois, ça devrait aller. Ils m'ont également envoyé un plateau que je pourrais disposer sur l'élévateur. Je n'ai jamais été déçu de leur marque. Et on va voir si ça continue dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de test, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'en fais souvent. Et activer la cloche des notifications, c'est important. Écoutez les amis, je pense que je vais transpirer un petit peu pour monter tout ça. On va découvrir les colis ensemble. C'est parti pour la vision unboxing. Et bien re les amis, donc voilà ce que j'ai reçu. Ici le support et ici le plateau. Donc c'est parti, on va s'amuser un petit peu. Donc les amis, c'est parti pour ouvrir le support juste ici. On va voir comment il est foutu. Mais je sais qu'ils ont l'habitude de packager super bien leurs produits. Parce que regardez, dites-vous que là-dedans il y aura un bureau. Je suis désolé si on m'entend mal, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai même pu penser qu'il y avait un micro. Le colis fait plus de 15 kg, il y a marqué ça sur le packaging. Mais c'est vrai qu'il est assez lourd. Après évidemment les gars, on a un bureau qui va être électrique et pouvoir se lever et également supporter des charges jusqu'à 100 kg. Donc il faut ce qu'il faut les gars. Et là on a tout qui est bien packagé. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est incroyable. C'est une logistique incroyable, regardez, tout est numéroté, tout est bien emballé. Et ça c'est vraiment un plaisir, regardez, il y a même ça qui va juste là. Mais trop bien fait. Et ça c'est une force pour une marque qui arrive à faire beaucoup de logistique. Même dans leur colis, ils arrivent bien à packager tout ça pour que bah, ça soit très pratique à transporter et pas trop volumineux non plus. On a... Les gars, franchement là, j'allais tomber en arrière. Mais franchement, on a quelque chose de très solide. Et le support, donc c'est-à-dire la partie métallique, va être garantie 7 ans. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, 7 ans, c'est énorme. Quant à lui, la partie électronique va être garantie 5 ans. C'est quand même énorme. Donc dites-vous que c'est une marque qui ne se fout pas de ses clients. On a deux petites boîtes juste ici qui sont numérotées. Voilà, on a des couches de protection en carton. Donc ça, c'est très bien. Et quand je vous dis que tout est bien foutu, les gars, mais il y a tout qui tient correctement sans, bah, sans que ça se trimballe, quoi. On a du coup les pieds juste ici. Ah non, les vrais pieds, en fait, sont là. Là, c'est ce qui va en dessous. Mais là, c'est les moteurs, on va dire. C'est les moteurs et les piliers, les gars. C'est énorme. C'est très lourd, mais en même temps, il faut, hein, pour pouvoir soulever une table qui a 100 kg. Bon, vous voyez quand même que c'est bien packagé, bien rangé, bien protégé, et c'est ce qu'il faut. Et ici, les gars, on va voir le plateau qui va se poser, bah, du coup, au-dessus de tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que c'est très bien protégé parce que il suffit d'un petit coup de couteau à l'ouverture du colis. Et puis, bah, on a déjà fait quelque chose à la table. On a des points renforcés, et ça, c'est pas mal pour éviter bah, que les livreurs ne jettent le colis par terre et que ça fasse des choses sur le produit. Donc, c'est parti. Alors, ce que je peux vous dire sur ce plateau, bah, déjà, c'est qu'il rend très très bien. Qu'il est très beau et qu'il a l'air costaud parce qu'on a vraiment une grande épaisseur. C'est la première fois que je reçois une épaisseur aussi grande de leur marque. Elle est un peu plus grande quand même que ce que j'ai là, hein, franchement. Ça fait massif, ça fait quelque chose de résistant et c'est ce qu'il nous faut bah, si au cas où on rage par exemple. Écoutez, c'est parti pour le montage en accéléré et puis on se retrouve bah, juste après pour montrer tout ça, évoquer les caractéristiques et le tester. Et je suis donc passé au montage de ce bureau. Vous allez voir, c'est assez rapide et très intuitif grâce à la notice et tous les plans bien détaillés étape par étape. J'y suis arrivé avec un petit peu de transpiration et maintenant on va passer à la cinématique. Alors le bureau électrique ED5 de chez FlexiSpot a un double moteur, ce qui permettra d'engager une charge de 100 kg au maximum. Il a une taille adaptable, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre un plateau de 120 par 60 jusqu'à 180 par 80, ce qui est très grand et très flexible. On pourra s'adapter selon le plateau. Ils ont beaucoup de plateaux sur leur site internet, ce qui est assez agréable. Alors le plateau, j'adore sa résistance et j'adore son imitation bois parce que c'est une imitation. Je reviendrai sur ce point en conclusion et vous allez voir quand même que il est très résistant. Ensuite, l'écran de contrôle possède un port USB, ce qui est assez pratique. On a les boutons, les essentiels sur ce genre de produit, c'est-à-dire les bureaux élévateurs. On a aller en haut, aller en bas, premier mode, deuxième mode, enfin bref, les classiques. Il va avoir une vitesse de 3,5 cm par seconde en vitesse maximale. Le support métallique sera garanti 7 ans et la partie électronique 5 ans, ce qui est énorme. Avec un prix pour le support à 419 € et un prix pour le plateau à 90 €. Et vous allez voir ensuite qu'on va le tester, quel bruit il fait et comment il fonctionne. Et bien les amis, on va tester ce bureau. Alors déjà pour le montage, c'est allé assez simplement. J'ai pris un peu moins de 20 minutes, je dirais 18 minutes pour monter tout ça, ce qui est relativement rapide grâce à la notice bien détaillée et bien précise. Tout est intuitif et on peut comprendre rapidement. Et ça c'est l'essentiel quand on monte un bureau de ce genre qui peut paraître un peu compliqué avec un système électronique. Mais déjà les amis, on va écouter le bruit du bureau. Normalement il fait moins de 50 décibels, pardon. Et il a un bruit vraiment futuriste.
C'est assez agréable. On va voir au max jusqu'à où il peut aller, mais normalement il peut aller assez haut. Et c'est... Non. 130 cm. Putain. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme tout simplement. Bon, écoutez, là on est au maximum, et le minimum on l'a vu parce que dès qu'on le monte en fait, c'est déjà le minimum. C'est énorme. Je pense que j'ai jamais eu de bureau qui se monte aussi haut. Enfin, je pense que même l'utilisation sera un petit peu compromise parce que là c'est vraiment haut. Mais bon, là c'est le max, et effectivement c'est pas là qu'on va l'utiliser le plus souvent. Après il faut se dire que ce genre d'appareil va nous permettre de régler différents modes. Alors on peut en personnaliser deux, il y a deux boutons avec écrit 1 et 2. Et là bah, en fait on a juste à mettre la hauteur qu'on veut, on appuie et ça se met à la hauteur qu'on a réglé. Bon écoutez, pour un mec qui fait des unboxings comme moi, ça c'est très pratique les amis. Parce qu'on aime bien avoir un petit peu de dynamisme dans nos vidéos. Et ça c'est parfait pour ça. Et après également, sachez que ça charge mon iPhone, c'est incroyable, il y a une prise USB. Ça c'était un point bah, qu'on sous-estime peut-être parce que ça peut être très intéressant. C'est vrai que moi là il n'y a pas beaucoup de prises pour charger mon téléphone et puis ça c'est chiant avec le fil et tout. iPhone ne faut pas des câbles super longs non plus. Alors avoir un port USB à portée de main, pourquoi pas. Le bruit j'adore, ça fait un petit peu futuriste, j'adore. Et c'est vrai que chaque bureau a un bruit différent. C'est vrai que j'en ai reçu 3 et les 3 eh ben, ils ont un bruit différent à chaque fois. Et ça c'est assez cool, c'est un petit peu la signature de l'objet. Alors les amis, maintenant le plateau. Qu'est-ce que j'ai pensé du plateau? Et eh bien figurez-vous que effectivement c'est une taille un peu plus petite, mais ça je le savais d'avance. Mais par contre quelque chose que je relève, ok il est plus épais, ok bah c'est un peu plus massif du coup, et on va avoir quelque chose de résistant. Mais par contre comparé à un plateau en bambou, j'en ai un qui est actuellement sur mon bureau, et bah je le trouve beaucoup plus naturel et beaucoup plus réaliste. Le plateau que j'ai là-bas c'est du vrai bambou, alors que là ça se voit que c'est pas réellement du vrai bois. Un petit peu comme un Bublica. Ça c'est à souligner parce que moi j'aime bien le bois les gars, j'aime bien faire des choses avec le bois et tout. Donc autant vous dire que quand je ne reçois pas du vrai bois, je le vois presque tout de suite en fait. Après ça veut pas dire que c'est nul. Il y a beaucoup de meubles, regardez tous les meubles IKEA sont presque faits comme ça. Et puis là c'est renforcé quand même, je veux dire c'est résistant. Mais c'est juste que le côté naturel en fait, eh ben, il va se casser, on va le voir assez rapidement. Par contre un point qui est pas mal sur ce bureau, enfin sur ce plateau pardon, c'est que les bords sont arrondis. C'est plutôt pas mal, que ce soit pour la livraison ou même, bah en fait on se cogne pas dedans et c'est assez agréable. Alors le support est à un prix de 419 €. C'est vrai que ça fait cher pour un bureau, mais il faut se dire que ça s'aligne sur les prix du marché. Et je dirais même qu'il y a beaucoup plus cher en termes de bureau élévateur. N'oubliez pas qu'il est garanti 7 ans, enfin du moins le support métallique est garanti 7 ans. Et tout le système électronique est garanti 5 ans, ce qui est énorme. Et évidemment tous les bureaux sont à une taille adaptable. Imaginons que ce plateau en fait je veux le changer et je veux mettre un plateau beaucoup plus grand. J'ai juste à le commander chez Flexispot et je pourrais grâce aux vis et au support, et bah allonger la table et faire en sorte qu'on peut poser bah, un nouveau plateau beaucoup plus gros par exemple, ou plus petit. Bon, pour conclure avec ce bureau ED5 de chez Flexispot. Flexispot est une marque que je connais bien leurs produits et leur qualité, parce que c'est vrai que ça fait le 3e bureau que je reçois. Je ne suis toujours pas déçu, la qualité est toujours au rendez-vous. L'écran où est-ce qu'on gère la hauteur, je le trouve beaucoup plus beau que les premiers qu'ils m'ont envoyé. Il y a un petit reflet, il y a un côté LED qu'on aime bien et elle est assez agréable. Il est très qualitatif, ça se voit qu'il est super joli. En tout cas, je l'adore. Et c'est pas un bouton à proprement parler, c'est du tactile, donc c'est encore mieux, je trouve. Là, depuis tout à l'heure, mon iPhone il charge, donc ça, c'est un bon point. La prise USB, elle est correcte, elle fonctionne et c'est ce qu'il faut. Le montage est très simple. Le prix, bah, c'est le prix pour un bureau élévateur. Vous pouvez chercher, vous pouvez vous renseigner. Et en parlant de ça, les liens seront en description, que ce soit la boutique de Flexispot ou ce produit, tout sera en description les amis. Alors si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos à faire en ce moment. Et en tout cas, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Rejoignez mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tous ceux seront en description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.